première homologation d'urgence depuis le début de la pandémie au vaccin Pfizer-BioNTech. L'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, qui a accordé jeudi cette homologation après vérification de critères de sécurité, d'efficacité et de qualité, veut ainsi faciliter la voie aux pays qui souhaitent l'utiliser rapidement. La procédure permet aussi à l'UNICEF, l'agence de l'ONU en charge d'une importante partie de la logistique de distribution de vaccins anti-Covid-19 dans le monde, et à l'Organisation panaméricaine de la santé d'acheter le vaccin pour le distribuer dans les pays pauvres. Plusieurs millions de personnes ont déjà été immunisées avec ce produit estimé efficace à 95%, mais qui requiert des températures ultra basses, ce qui en rend la distribution et le stockage plus difficiles. L'OMS s'est engagée là aussi depuis plusieurs mois à aider les pays membres qui le souhaitent à mettre en place des plans de vaccination.